Bonjour à tous, me voici de retour pour deux nouveaux coups de cœur. Cette fois, j'ai choisi pour vous l'Inde et en particulier un circuit complet de 17 jours qui vous fera découvrir l'Inde du Nord avec un départ prévu le 20 juillet. Nous vous offrons une promotion spéciale pour ce circuit qui est proposé à 2269 euros au lieu de 2425 euros, ce qui nous fait donc une belle économie de 150 euros. Le groupe est de maximum 20 participants, de façon à pouvoir bien profiter des explications des guides. À partir de 15 participants, vous aurez, en plus de votre guide, un tour leader d'escape qui vous accompagnera à partir de l'aéroport de Bruxelles jusqu'à votre retour. Voici un aperçu du programme de ce magnifique circuit. Après un agréable vol avec Jet Airways, vous débarquerez à Delhi. Le temps d'une bonne nuit dans un hôtel confortable avant de se diriger vers Mandawa, où vous aurez tout le loisir de visiter les Avlipinthes. Il s'agit de maisons de riches marchands totalement décorées, montrant des scènes religieuses ou des objets occidentaux. Vous continuerez votre voyage par une visite du temple des rats de Deshnok et vous arriverez au quatrième jour dans le désert de Jaisalmer. Cette excursion inédite dans les dunes indiennes commencera par la visite de la forteresse de Jaisalmer, la perle du désert Thar, avec ses temples jaïns chatoyants. Vous verrez bien entendu d'autres avlis et également le lac artificiel de Jadizar. Pour terminer la journée en beauté, l'incontournable tour à dos de chameau dans le désert sera organisé. Halte suivante, Jodhpur, qu'on appelle également la ville bleue, en raison simplement des façades peintes des maisons de la vieille ville. Vous y ferez la visite du fort de Meherangarh. Surnommé le fort magnifique, il surplombe la ville du haut de ses 122 mètres. À l'intérieur de celui-ci se trouve un palais richement décoré et agrémenté de nombreuses cours. Ce n'est pas tout, vous poursuivrez ensuite avec le mausolée de Jashwant Tada. Le septième jour, vous visiterez des temples jaïns en marbre de Ranakpur, l'un des plus grands et des plus importants sites jaïns de l'Inde. Le temple principal, le Shomukha, est un gigantesque sanctuaire de marbre qui compte 29 salles reposant sur 1444 colonnes finement ciselées. En route maintenant pour Jaipur, la capitale du Rajasthan. La ville possède plusieurs monuments d'un intérêt historique et touristique certain, comme le palais forteresse d'Amber ou encore l'observatoire astronomique de Jantar Mantar. Cet observatoire a été construit dans le but d'établir les thèmes astro et de déterminer les moments les plus propices pour les plus grands événements comme des mariages, des déplacements de personnes importantes et bien d'autres. La journée se terminera par un arrêt photo obligatoire devant le Palais des Vents. Les centaines de fenêtres et balcons qui ornent sa façade sur 5 étages sont construits de façon à permettre aux femmes du harem royal de voir à l'extérieur sans être vues. De par sa structure, il est considéré comme l'une des merveilles de l'architecture Rajput. Next step, Agra et son célèbre Taj Mahal. Joyau le plus parfait de l'art musulman en Inde, il est l'un des chefs-d'œuvre universellement admirés du patrimoine de l'humanité. Ce tombeau est un magnifique témoignage d'amour de l'empereur moghol Shah Jahan pour sa femme Mumtaz Mahal, qui est décédée lorsqu'elle a donné naissance à son 14e enfant. Vous poursuivrez votre voyage dans l'Inde du Nord par la visite d'Orsha et de Khajuraho, où vous découvrirez 22 temples richement décorés, réputés pour la finesse de ses bas-reliefs et surtout pour ses scènes érotiques et explicites du Kama Sutra qui y sont représentées. La fin du voyage approche, mais une dernière ville incontournable vous attend, Varanasi. L'ancienne Benares est pour les hindous ce qu'est la Mecque pour les musulmans, la ville la plus sacrée du pays. Vous profiterez du coucher de soleil en faisant un petit tour en bateau sur le Gange, le fleuve sacré. Votre guide francophone vous emmènera ensuite dans les ruelles étroites de la vieille ville. Un vol vous mènera de Varanasi à Delhi pour la découverte de la capitale indienne. Vous visiterez les principaux sites de la ville d'Old et de New Delhi. L'Inde est un pays aux multiples facettes, difficile de pouvoir faire le tour en une seule fois, mais ce circuit vous permettra de voir les plus beaux sites de l'Inde du Nord, et ce, à des conditions idéales. Vous serez par petits groupes de maximum 20 personnes, de sorte à être bien encadré par le guide francophone.
17 jours au pays des Maharajas avec un départ le 20 juillet et pour 2 269 € par personne. Une belle promotion car le circuit initial est de 2 425 €. Vous ferez donc une économie de 150 € par personne. Pour ce prix-là, tous les repas sont compris. Les visites, les entrées des différents sites et les vols aller-retour direct de Bruxelles, avec possibilité de pré- et post-acheminement de Paris, Gare du Nord, par le Thalys. Vous devrez juste prévoir le visa à votre arrivée à l'aéroport. Si vous souhaitez réserver ce voyage, appelez dès maintenant le 070 22 22 44 si vous appelez de Belgique ou au 0892 700 313 si vous appelez de France. Ou rendez-vous simplement sur notre site internet www.libertytv.com ou www.tvacances.com.